laïcité, c'est un régime de droit qui organise les relations entre chaque individu, vous et moi, ou moi ou les autres, les religions et l'État. Et on dit qu'on est dans un régime de laïcité quand l'État se déclare neutre, c'est-à-dire agnostique, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, il ne sait rien sur l'existence de Dieu. C'est ce qu'on appelle un régime de laïcité. Et ça, ça date en France de 1905, quand il y a eu la séparation des églises et de l'État, qui avait deux sens. D'abord, comme dans le système d'avant, il y avait ce qu'on appelait les cultes reconnus, qui étaient, par exemple, les évêques, les curés, les rabbins, les pasteurs, étaient des fonctionnaires d'État. Donc ça, ça a été terminé. Donc ça, c'est une première dimension de la séparation. Le budget de l'État, les Français ne payent plus les salaires des religieux, si l'on peut dire. Mais il y a une deuxième dimension de la séparation, c'est que la loi de 1905 rompt un accord diplomatique qui avait été signé par Bonaparte avec le pape d'alors. Donc c'est une indépendance, c'est une souveraineté du peuple français vis-à-vis de toute autorité religieuse, et précisément à l'égard du Vatican. Donc il y a une double dimension de la séparation. C'est une séparation vis-à-vis des citoyens, donc tout le monde est égal, les croyants, les non-croyants, toutes les religions, et une séparation vis-à-vis de quelque autorité religieuse qu'elle soit. Je fais ce livre après l'assassinat d'un professeur, M. Paty, qui, comme beaucoup, m'a bouleversé. Ce qui m'a choqué après, c'est que le ministère avait annoncé, c'était à la veille des vacances scolaires, vous en souvenez, ils avaient annoncé un débat à la rentrée dans chaque classe, 2 heures de débat. Et à la veille du retour des élèves et des professeurs, le débat était annulé. Comme si le système éducatif était devenu incapable. 5 ans et demi après les attentats de Charlie, de l'hypermarché Kacher, 5 ans après le Bataclan et les terrasses, alors qu'on a mobilisé justement tout le monde sur la laïcité, il n'était pas capable d'animer ces débats devant les élèves. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut faire un livre. Je suis président d'une association, Bibliothèque sans frontières. On a fait 10 vidéos formidables sur la laïcité, avec un autre livre publié chez Michel Lafon. Mais je me suis rendu compte que c'était bien pour les élèves, mais pour les profs et pour l'ensemble des adultes qui veulent expliquer à leurs enfants, à leur famille, etc. Il manquait quelque chose de clair, qui s'inscrive dans notre histoire, qui raconte cette histoire de façon à ce qu'elle puisse être transmise aux élèves et transmise aux enfants et aux parents. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Et c'est un signal d'alerte. Il y avait déjà eu des signaux d'alerte. C'est un signal que les gens n'ont plus de repères. Or, la laïcité, c'est un régime extraordinaire, c'est un régime très moderne, c'est un régime de liberté, mais toutes les libertés qui sont proclamées dans ce régime sont garanties par des dispositions pénales qui ont été totalement oubliées et que je raconte dans le livre. Et c'est, je crois, la grande nouveauté du livre par rapport à tous les ouvrages sur la laïcité, c'est qu'il y a une histoire oubliée de ce qui se passe entre 1905 et 1914. La loi, elle est triplement exceptionnelle. D'abord, elle a été travaillée pendant 2 ans dans une commission où Aristide Briand était le rapporteur. Et elle était tellement ciselée qu'après son adoption par la Chambre des députés, le Sénat l'a approuvée telle qu'elle. Ce qui, aujourd'hui, est déjà très rare. Alors, à l'époque, c'était quasiment impossible. Bon. Ensuite, ce qui est exceptionnel, c'est que, malgré ce travail qui a été fait en relation d'ailleurs avec l'Église de France, il est arrivé ce que Clémenceau a dit, tout avait été prévu sauf ce qui est arrivé. C'est-à-dire le pape a rejeté violemment la loi et s'est déclaré prêt à la guerre civile. Et pour répondre à cet énorme challenge, on dirait aujourd'hui, on a appelé Briand au gouvernement et Clémenceau. Ils se sont retrouvés dans un tandem pendant 3 ans et demi. Clémenceau à l'intérieur, Briand au culte. Clémenceau est passé président du conseil, ministre de l'Intérieur. Briand est devenu ministre de la Justice et des cultes.
Et après, quand Clemenceau a été renversé, Briand est resté Premier ministre, président du Conseil et des cultes. Et pendant 5 ans, la même homme qui avait fait la loi l'a appliquée. Et ça, c'est totalement exceptionnel dans l'histoire de la République. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit le pape veut mettre tous les catholiques dans l'illégalité. Et le chef de cette fronde, c'était le cardinal de Bordeaux. La librairie Mola, je crois, est de Bordeaux. Et je ne pense pas que les Bordelais savent que le chef de la révolte, du rejet, le cardinal Andrieux, a appelé à la sédition, ou à la non-respect, au rejet de la loi de 1905. Il a été condamné au tribunal, il a été condamné pour sédition par le tribunal de Bordeaux. On lui a saisi ses meubles car il a refusé de payer l'amende. Donc ça, c'est une histoire, je ne crois pas qu'elle soit encore dans la mémoire des Bordelais et que je raconte dans le livre. L'année 1909, l'Église en parle en 1910 en disant qu'il y a eu deux événements, la béatification de Jeanne d'Arc et la condamnation d'un cardinal et de 3 évêques par les tribunaux. Donc, Briand et Clemenceau ont dit « On va protéger la masse des catholiques qui sont manipulés par des intégristes, si on peut dire. » De l'époque. Et donc, ils veulent pas rentrer dans la loi 1905, on va dire que les messes sont libres, les curés peuvent occuper les églises, etc. Mais ceux qui menacent, parce que quelles étaient les raisons des condamnations? Ils menaçaient les enfants de les priver de première communion s'ils allaient à l'école publique étudier certains livres d'histoire. Ils menaçaient leurs parents de les priver des sacrements, c'est-à-dire de l'absolution et des autres sacrements. Et pareil pour les instituteurs. Et c'est ces menaces-là qui leur ont valu les poursuites judiciaires et les condamnations au titre d'articles de la loi de 1905 qu'on a totalement oublié aujourd'hui et qui pourtant, dans le contexte de l'affaire Paty et d'autres, auraient pu être utilisées par les pouvoirs publics. La laïcité est un régime exceptionnellement moderne parce que c'est la proclamation de liberté avec les Français sont extrêmement attachés. La liberté de croire, de ne pas croire, de changer au cours de sa vie, sans pression. Parce qu'il y a un autre article qui dit, si vous avez la liberté de croire ou de ne pas croire, mais si vous faites pression sur quelqu'un, par exemple pour le contraindre à porter un signe religieux ou l'en empêcher, vous êtes passible de prison aussi. Et ça aussi, c'est un article qu'on a oublié. Donc ce sont des libertés fondamentales qui font la particularité de la France. Vous savez, Paty a été assassiné pas parce qu'il a... La caricature, ça fait partie, y compris la caricature de la religion, ça fait plus partie du régime juridique de la religion depuis la Révolution. Parce que c'est ce qu'on appelait le blasphème, et ça a été déclaré une opinion libre. Le droit français distingue la critique d'une autorité religieuse, de la religion, qui est libre, de la violence verbale, y compris à l'égard de croyants. Les attaques contre les croyances sont libres, outre les figures religieuses sont libres, pas les attaques contre les chrétiens, les juifs, les musulmans. Ça, c'est condamnable par les tribunaux. Et qu'est-ce qui fait l'attachement des Français à cette liberté de critique de la religion? Ça nous vient d'avant la Révolution, des philosophes, de Voltaire, et d'une affaire que je rapporte dans le livre, c'est l'affaire du martyr imposé au chevalier de la Barre, qui ne s'était pas prosterné devant une procession, et qui pour cette raison-là a été condamné à mort après avoir été torturé. On lui a brisé les os, il avait 20 ans, pour blasphème. Et en 1807, 40 ans après ce martyr, le grand juriste de la Révolution puis de l'Empire, Merlin de Douai, dit « 40 ans après, la France frémit encore du martyr imposé aux chevaliers de la Barre. Les Français avaient été saisis d'horreur. Que, au nom de la religion, on puisse imposer à un jeune
cette horrible exécution. Et donc, il faut le rappeler. Vous voyez, je veux dire, et à ce moment-là, je dirais la première laïcisation, la mise dans le domaine public, ça a été le droit de critique, qui fait plus partie de la laïcité, qui fait partie de la liberté d'expression. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, dans ce domaine, bien séparer les choses. La laïcité est un régime d'organisation des relations entre l'individu, le groupe religieux et l'État, et la liberté d'expression, la critique de la religion ne fait plus partie de cette organisation. Elle a pris son envol dans le cadre général de la liberté d'opinion.